À la veille de la rentrée, dans cette boutique d'uniformes scolaires, on met les bouchées doubles. 39 écoles primaires et secondaires de la capitale sont susceptibles de se fournir ici. On va même vers plus d'uniformes, puisqu'il y a quelques écoles qui repassent à l'uniforme. Par exemple, ici à Bruxelles, il y a le lycée à Saint-Josse, hein, dont on a pas mal parlé à la fin de l'année, qui normalement font une rentrée en uniforme scolaire. Le succès de l'uniforme scolaire, une aubaine pour ce commerçant, qui est aussi un marchand de tabac. C'est quand lui-même a été confronté à la recherche d'uniformes pour ses enfants il y a 10 ans que l'idée de créer son propre magasin en ligne a germé. Nos enfants, en fait, étaient au Sacré-Cœur de Jette, donc ils avaient besoin d'uniformes. Donc on a commencé à chercher pour eux des vêtements. On a trouvé à l'époque une boutique, mais qui était quand même relativement chère et qui avait un choix assez réduit. On s'est dit, tiens, on va le faire nous-mêmes. Une nuit, j'ai pensé, je dis voilà, je vais le faire. Comme ça, on a cherché un peu des fournisseurs. Ça n'a pas été facile parce que bon, c'est des vêtements qui ne sont pas faciles à trouver au départ. On en a fait fabriquer une partie nous-mêmes. Et maintenant, ça a pris pas mal d'ampleur. À la clientèle de base du Sacré-Cœur est venue se greffer une nouvelle clientèle. Et très vite, l'arrière-boutique du marchand de tabac est devenue trop étroite. Après un an d'ouverture, le magasin dédié à l'uniforme scolaire a triplé son chiffre d'affaires. Et une seconde enseigne doit s'ouvrir en mai prochain à Waterloo.